Introduction aux cytokines. Les cellules du système immunitaire sont réparties dans tout le corps et ont besoin d'un système de communication pour coordonner une réponse efficace. Les protéines qui permettent la communication entre les cellules du système immunitaire sont appelées cytokines. Les cytokines sont de petites protéines produites par plusieurs types de cellules différentes, principalement les leucocytes, et qui influencent d'autres cellules de différents systèmes de l'organisme, en particulier le système immunitaire lui-même. La sensibilité d'une cellule cible à un cytokine particulier est déterminée par la présence de récepteurs de cytokines spécifiques. L'interaction d'une cytokine avec son récepteur sur une cellule cible peut induire une grande variété de réponses. Les cytokines sont induites en réponse à la liaison de stimuli, tels que les LPS bactériens, la flagelline ou d'autres produits bactériens, à des récepteurs cellulaires appelés PRR, ou par la reconnaissance spécifique d'antigènes étrangers par les récepteurs des lymphocytes T et B. Les cytokines peuvent être décrites en fonction de la distance entre la cellule sécrétrice et la cellule réceptrice. Les cytokines qui agissent sur les cellules proches sont appelées paracrines. Parfois, une cellule a besoin de recevoir un signal via ses propres récepteurs d'une cytokine qu'elle a elle-même sécrétée. Ce type de signalisation est appelé autocrine. Enfin, les cytokines qui doivent traverser la circulation sanguine avant d'atteindre leur cible sont dites endocrines, c'est-à-dire systémiques. Sur le plan fonctionnel, les cytokines peuvent présenter une pléiotropie, une redondance, une synergie, un antagonisme et une induction en cascade. La pléiotropie signifie qu'une seule cytokine peut avoir de nombreuses actions différentes. Lorsque deux ou plusieurs cytokines ont des effets similaires, on parle de la redondance. Si les effets de différentes cytokines se complètent et se renforcent, on parle alors d'interaction synergique. Dans certains cas, une cytokine peut contrecarrer l'action d'une autre cytokine, provoquant un antagonisme. La cinquième caractéristique est l'induction en cascade, dans laquelle une cytokine sécrétée par un type spécifique de cellule peut activer des cellules cibles pour produire des cytokines supplémentaires. Par exemple, les cellules tueuses naturelles activées sécrètent de l'interféron gamma, qui à son tour active les macrophages pour qu'ils sécrètent de l'interleukine 12, qui active ensuite les cellules T auxiliaires pour produire d'autres cytokines. Une cascade de cytokines produit un spectre d'activité qui conduit à la génération rapide de réponses immunitaires innées et adaptatives. Il existe également les cytokines dites anti-inflammatoires, qui peuvent résoudre l'inflammation et les dommages collatéraux aux cellules hôtes, tels que TGF-bêta et l'interleukine 10. Cependant, dans certaines circonstances pathologiques extrêmes, une surproduction massive et une dérégulation des cytokines produisent une hyperstimulation de la réponse immunitaire, une condition communément appelée tempête cytokinique qui peut entraîner un choc, une défaillance multiviscérale ou même la mort.